Hey salut tout, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour faire des nouvelles games en ranked. Oh le câble. Bon, on est actuellement GC1 Division 3. Je suis à monter un petit peu, donc 1525 c'est déjà pas mal. Bon, habituellement je suis GC2, mais c'est pas très grave, on va quand même réussir à faire des bonnes ranked. Et c'est parti. Alors, on est avec dans le crâne à ta mère. Ok, ça commence bien. On a des nouveautés sur... Bientôt il va y avoir un événement pour Halloween là. Enfin, en fait, ils ont pas expliqué directement ce qui allait se passer, mais du coup, on sait pas trop forcément. Attendez, je fais un petit tir parce que bon. Oh là 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 là, mais le talent du joueur aussi, c'est fou ça, hein. Je le savais en fait, je le savais. Le tir était précis. Mais ils ont mis une petite annonce comme quoi il allait avoir un truc pour Halloween. Bon, jusque là, rien d'exceptionnel. Mais la dernière fois, je crois, ils avaient juste fait... Enfin, ils avaient juste... Bon, ils se font comme d'habitude quand il y a un event. C'est-à-dire, ils font gagner des cadeaux quand tu fais des games et tout. Il y a des défis, etc. Ok. Et la dernière fois, il y avait une nouvelle map qui était là que pendant la période d'Halloween, justement. Donc, je sais pas. Enfin, après, nouvelle map, façon de parler, parce que c'est juste... Et la map de la ferme... Mais en version Halloween. Donc je sais pas s'ils vont refaire la même chose. C'est possible. De toute façon, on va pas se mentir, ils font pas tant que ça à chaque fois pour des events. Et en même temps, est-ce que tu peux changer beaucoup de choses? Je sais pas du tout. Il y aura peut-être un mode temporaire hein, comme à chaque fois. Je sais pas ce qu'ils vont mettre. Pas trop de nouvelles, je sais pas du tout. Ok. Comme pour l'instant, c'est un peu le off-saison. Oh non, mais il est revenu me bump là. Je voulais la mettre bien haute pour mon collègue. Du coup, il l'a eu, mais. Hop, bon, j'ai tiré au cas où, ça passait, tant mieux. Et lâche-moi! Non, c'est un fou furieux l'autre. Ah, c'est con qu'on perde. Et il veut pas que je vive, hein. Il veut vraiment pas. Bah, c'est dommage. Il a voulu bien dégager en allant vite. Il l'a remis sur le mec. Ou c'est le mec qui a anticipé, je sais pas qui a été bon, qui a été mauvais. Ok, bon, on y va de chill, hein. Le mec il a raté. Hop, là on peut y aller vite. Je vais juste prendre le boost. Je peux pas trop gêner. Ok, on arrive à turn. Oh là 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 là. Mais quel tir précis. Mais quelle précision. Non, ça reste une folie mon tir. Vraiment. C'est juste pile poil où il faut. Franchement, je pouvais pas faire plus à droite. Ah, le choc il s'en va. D'habitude, c'est quand il y a quelqu'un à la maison. Mais là, il y a personne. Donc, c'est assez bizarre. Oh, ok. Ouais, je vais fake ici, hein. C'est sur mon collègue, en vrai, je peux turn. Oh là là, mais le teamplay. Oh, il a tout raté. Alors que la passe était merveilleuse. Wow. Oh, il y avait un truc à faire, c'est dommage. En vrai, sur son action, je pense que même s'il me l'a laissé derrière, je pouvais finir, moi. Ok, il m'a entendu sauter, du coup il a pas été. J'ai mis la musique du jeu pour une fois. Je sais même pas si on l'entend parce que le son du jeu est vachement fort. Ah, fait chier, j'ai pas eu le temps. Ok, il s'en sort, on va juste chercher du boost. On va essayer de lui faire la passe malheureusement, mais ma faute. Ma faute, ma faute. Putain, je voulais la mettre en l'air et... Je sais pas pourquoi j'ai... Ah, mais je sais pourquoi. J'étais sur le mur, du coup, bah, le fait que je me réaligne après ça, bah, ça m'a un petit peu mis dans la sauce. Bon, il y a mon collègue, je vais pouvoir y aller. Waouh! Waouh! Alors, ça, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Hein. Oh. Et vas-y, arrêtez de jouer aussi, il triche là, jouer. Ouh! Ça c'est de la save mon gamin. Ça c'est de la save. Fuck. J'ai pas de boost par contre frérot. Tu feras gaffe. I. Je vais la renvoyer direct. Dernier def, on contrôle pas. Surtout qu'on a pas de boost. Bon j'ai osé mais... Comme je l'ai dit, j'ai pas de boost. Il s'est jeté un dernier def là. Oh, faut avoir de la chatte si ça rentre pas. Oh je suis trop fort. Mais what the fuck. Qu'est-ce qui m'arrive. OMG. Le pre-flip et tout pour récupérer la balle était incroyable. Bon, ça lui donne, mais il va nous la rendre, regarde, il est trop con. Ah, j'étais encore là, c'est dommage.
I. Le cut, très important. Il va prendre le boost là. Normalement je devrais prendre celui-là mais je peux pas trop. Faut quand même que je prenne la balle avant. Oh elle est en l'air. Oh c'est tellement dommage. Mais fais pas frérot, il reste 1 minute 30 et on joue bien. En vrai ma touche elle est un peu... Ok. Ma touche était un petit peu mauvaise. Dans le sens où bah, j'aurais voulu la mettre plus à gauche. Ça aurait été mieux. Ok, petit kick off goal. Bien vu. Bien vu ça. On remonte. 3 à 4. Bah, la game va durer tellement longtemps. Il y a tellement de buts. En fait, une game c'est 5 minutes. Seulement s'il y a 1-0 ou... Bah même 1-0, tu gagnes un peu de temps, mais... Et sinon, dès que t'as quelques buts, ça, tu gagnes vite une minute. C'est fou. Hein. Vous avez juste à regarder par rapport à la vidéo, à combien de temps vous avez regardé. Vous enlevez 20 secondes d'intro un peu. Et après, vous voyez le temps que ça prend. Hein. Ok. Bon, c'était osé. Est-ce qu'il va me la faire? Ok, non, ça va. C'est bien qu'il la touche pas en vrai. Ça lui laisse... Faut la récupérer. Non, c'était plus une feinte qu'autre chose. Oh, j'ai pris shoot, mais... Oh, j'avais pas le boost, putain. J'ai voulu pris shoot, je pensais qu'il allait viser le but, mais... Mais pas du tout. Ok, j'aurais dû regarder ce qu'il a fait. Ok, c'est un petit peu ridicule, quand même. Putain. Ok. Oh, on a une bonne balle, là. Oh, j'ai trop le seum. C'est dommage, on joue plutôt bien en vrai. Ah, c'est dur. Et je vais rester au cas où il fait une passe. Ok, bon j'ai pas eu le boost. Il l'a pas eu non plus. Ok, le contrôle est pixel. Oh, fait chier, ils ont tous les deux sauté. Oh, fais chier. Tu l'as? Vas-y mon frérot encore. Oh. Bon c'est loose mais vas-y on joue. But. Mets le but. Oh. Oh. Ah ça joue. Non. Il est en face. Mais il y a trois mecs c'est les mêmes. Là c'est tout le temps les mêmes games. Oh. Il y va pas. Ok c'est ma balle. Je la fais à gauche parce que je suis un mec smart. Et oui. Et oui! Et! Oh! Ok, j'ai voulu la prendre en contre avec, tu sais, sur le côté pour prendre un bon 50. Tiens. Non, mais frérot, quand je te fais des passes en l'air, fais quelque chose de. De bien! Bah, le nul! Ok, vas-y. Oh les gars, je vais lose it. Je vais lose it cette game. Cette game, c'est pas... Ok, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais c'est pas fou. Mais ça aurait pu être pire. On va se consoler comme on peut. Ah. J'ai bum. Tranquille. Tout va bien se passer. Oh. Bah le boost. Oh, il a pas pris. Je vais l'avoir. Oh la dinguerie, j'ai le boost l'équipe. Mais putain, je pensais pas qu'il allait me rush ici. Vas-y. Ok, bien. Notre boost. Il a pas la balle par contre. Pas un monde où il l'a. Là il l'a eu. Je pense qu'il la retouche. Ouais, il la retouche plus. Je la retouche, je la redonne, je fake. Il l'a, dommage. On va reculer hein. On va reculer. Oh la balle. Je l'avais bien frérot. C'était bien tenté, dommage. Je vais reculer, hein. J'ai pas de boost. Il lui donne, mais si je récupère le boost, on peut défendre tranquillement. Oh, la patate qui met. Ah, c'est dommage, c'était une belle passe. Ouais, c'est vrai que sa touche a été mauvaise. S'il avait du boost, il aurait dû la garder. Ah. Non, mais c'est sérieux ça. C'est sérieux. Oh. Bah merci pour le but, hein. Moi je prends. Ok. Ah. Ok, on a eu tout ce qu'on voulait.
Ah, j'ai pas eu le reset. C'était un peu honteux ce que j'ai fait, j'avoue. J'aurais dû partir peut-être en hauteur, je sais pas du tout. J'ai pas eu le boost. J'ai pas eu celui-là non plus. Le dégagement est... Ok, tir. Le tir est pas fou. La passe est incroyable, comme d'hab. Putain de merde. La passe. La passe. Mais saute dessus. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. C'est cadré, c'est tiré, c'est frappé, c'est fort. C'est puissant, je la laisse. Bon frérot. Hop là. Eh oui. Eh oui, toujours. C'est ça flex ici. Oh, bah ouais, bah je... Ah oui, je... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est but ça. Ouais, c'est but, ta frérot, faut jouer sinon... Sinon en fait... Moi, tu vois, moi, je vais pas être content. Et si je suis pas content, je vais dire des trucs bizarres en fait. Ouais, c'est... Ouais. Ok, j'ai raté, mais c'est pas grave. Ah, il y a cru, hein. Il y a vraiment cru pour le coup, alors que... Oh, oh la save, mais qu'est-ce que je fais? Mais quelle dinguerie, mais quel joueur. Les cons, ils ont voulu me bump, c'est vraiment débile. En vrai, c'est trop osé en fait. Mais je pense que c'est parce qu'il y en a un qui a pris la décision, l'autre a pris la même décision, et du coup, ça a fait un peu de la merde. Moi, je voulais juste du boost. Ok. Bon, il y a que 1-2 pour l'instant. Mais la game est vraiment bizarre. Ah, ok. Il fait un petit musty. Pourquoi pas dans le corner. Ça part sur un monster clear. Dégagement opposé. Il va essayer de récupérer le boost, mais en même temps de monter. Ok, bah, il m'a bien eu. GG à lui. Mon allié était pas prêt à réceptionner, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. L'action est nulle parce qu'il a pas gardé la balle jusqu'au bout. Il a pas essayé de 50 ou quoi. Le bump. Dommage, c'était tenté. J'ai récupéré le boost et attendre que mon allié rota. Une fois que mon allié rota, bah, je vais pouvoir. Tranquillement faire mon challenge, ou s'il y a balle et free, hein, tout simplement. Il devrait l'avoir, s'il arrive à la mettre à la gauche, bah non alors. En fait quand il contrôle, souvent ça part pas pour faire une passe. Il aime bien solo play, on va le laisser solo play. Je fais juste un petit peu de pression pour garder le mental tranquillou Jean-Loup. Si on met pas de pression sur des joueurs qui sont plutôt corrects mécaniquement, et là pour le coup bah ils sont pas exceptionnels, ils sont bons tu vois. Juste, si on leur met pas de pression, bah, ils vont réussir des moves et ils vont faire des trucs qu'ils font jamais d'habitude et ils vont nous clipper quoi en gros. Donc là, faut nous mettre la pression, c'est important. Et dis-moi que c'est cadré. J'avais vu, j'avais lu le rebond. J'avais tout, tout dans la tête, tout. Je savais qu'elle allait rouler ici. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et 2-2, évidemment. Ok. On a un bon kick-off, j'ai eu le boost. Ok, j'ai essayé de bump, mais sans réelle conséquence. Ok, ça fait une petite passe, mais c'est pas très grave, s'il me la refait, c'est ok. Ah, il a sauté aussi, je crois. Ah non, il y a juste pas de défenseur, du coup. Vas-y. Fais-moi rêver. J'ai du boost, je suis derrière. Oh, il est chiant lui. Bon, j'ai pas réussi à faire le setup que je voulais. C'est surtout ça le problème. Ah. Ah. Oh non, sérieux. Il fait chier. On n'a pas de chance. Mais je peux pas gagner une game en parlant en même temps, genre. Putain, c'est con, là. Vraiment. Bon, pour le coup, le début de game était vraiment compliqué. Il nous a fait quelques dingueries. Je pense que j'aurais pu mieux jouer sur certains moves, mais bon, en général, j'ai plutôt bien joué. C'est malheureux qu'il gagne dans le crâne à ta mère, là. Il méritait pas. Je suis désolé, il méritait pas. Bon, allez. On est avec Hugues. Merde. Merde, merde. Excusez-moi pour ça, excusez-moi. J'étais obligé. Oh le boost. Oh le setup. Oh le tir. Mais tout est parfait. Tout est parfait. Tout était aligné. Tout. Tout allait bien. Mais quel move, quel play. En 6 secondes, ils ont déjà fait mieux que la game d'avant. Ok. Le tir est pas trop dégueu. Comme je l'ai vu sur le ceiling, je me suis dit sur un malentendu, il va.
Il va bah, me rush. Il m'a pas rush finalement, c'était un bait. Ok, ici j'ai rush. Oula, la lecture était pas bonne ici, la lecture était pas bonne. Ok, le rush est pas mal. J'ai le boost. J'ai la balle. Ok, j'ai eu le reset, je sais pas comment, mais tant mieux, tant mieux. Vous avez vu ou pas? Il y en a un, il a pinch, et l'autre s'est mis devant le pinch. Et du coup, ça a fait un peu n'importe quoi. Ok, je tempo mon dash pour défendre. Il a voulu pre-jump. Lui, il va se rater. Ok, mon allié est là. Bon, faut que je garde un petit peu de boost pour pouvoir défendre. Là, ça commence à être un petit peu compliqué. On va se mettre derrière lui, il obtient le contre. Il va peut-être pouvoir faire un deuxième contre, mais il risque de le perdre celui-là. Ok, le tap pre-jump, le tir... Enfin, le dégagement est vraiment dégueulasse. Ok, mon allié peut y aller. Je l'ai bump, mais ça devrait pas trop le gêner. Par contre, j'ai pas de boost ici, mon copain. On va pouvoir le faire en marche arrière. Comme il a très mal tiré, on va juste récupérer le boost, anticiper ça, pouvoir dégager. Ici je vais laisser à mon collègue, j'aurais pu y aller mais on va les laisser. On va juste se placer derrière lui et attendre voir le move. Si le mec en face lâche la balle, hop, on récupère. Et on est bien, hop, on va peut-être pouvoir gêner, on peut pas, on a pas assez de boost. On va récupérer du coup le boost juste derrière. Comme d'allié à cut c'est parfait, il est encore en course, il la retouche pas. Malheureusement il doit plus avoir trop de boost, du coup on va pas faire une action trop rapide. Tac. On va lui donner, il va la rendre à mon collègue, ok il la rend pas, il joue bien. Je vais juste attendre. Ok, il s'est raté, tant mieux, il a plus de boost. Donc si je fais une action rapide à ce moment là Ok, c'est pas très rapide mais c'était plutôt bien joué je trouve. J'aurais bien voulu avoir le reset mais c'est un peu dur à faire. J'ai eu le boost, donc c'est pas si mal. S'il arrive à double tap, c'est dedans. Ok, ici il va faire une passe, hein, quasi sûr. Et oui, on l'a vu venir. Ici on a un cerveau, ici on a des yeux, ici on a des couilles. Merde, non ça c'est en trop. Oui mais enfin vous avez compris quoi. Bien joué, 2-0. Et oui, très important. Et on est reparti tranquillement, tranquillou à base de tranquillade. Hop là, ouais, je peux redescendre. Dégage, m'emmerde lui. Bon, on va regarder ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon allié il perd. Bon, par contre, je le loot speed sur toutes les balles, le frérot. Hein. Je peux avoir le boost? Ok. J'ai raté. J'espère que mon allié peut s'en sortir. Il s'en sort très très bien. Je vais récupérer le boost. Je vais fake un truc ici. Ok, dommage. Le tir était pas si dégueu. Mais juste c'est un peu facile à arrêter hein, dans ce sens là. Je vais pas vous mentir. Bon, c'était un peu douteux. Oh, il a raté. Je l'ai un peu gêné mais c'est pas vous. Oh oui, mais la passe, mais quelle passe! Mais ça joue trop trop bien! En plus, ce tir est vraiment pixel, puisque j'arrive à la relever, ça tire juste sous la barre. Non, franchement, on a trop bien joué là. Bon, j'en fais une petite dernière. On a quand même gagné une game. C'est déjà ça. C'est une victoire, on prend. Oh, ils sont jolis, ces roues. C'est le truc du pass. Eh bah. Ok, dernière game. On est avec Fuchs. Et je me disais, mais en vrai, ça commence à jouer un petit peu. C'est pas encore trop ça, mais contrairement à la dernière fois où j'étais 1400, les games, est-ce qu'ils sont pas un petit peu plus plaisantes à regarder en termes de gameplay? On parle de gameplay là. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé ou pas là? Parce que j'essaye de remonter un petit peu le rang pour que les games soient quand même un peu plus intéressantes, parce que le GC1 en général, c'est un peu de la merde, hein, je vais pas vous mentir. Ok, lui il a plus de boost, on est au courant. On voit juste le bait, lui il va essayer de me cut, ça c'est vu. Hop, on a un petit peu de boost, ici je vais reset là-dessus. Je l'ai pas eu. Je pense que si je l'avais eu, j'aurais pu mettre un but parce que t'as pré-shoot. Mais j'aurais pu le mettre quand même, je pense. Et c'est bien joué. Mon allié qui a pu récupérer cette balle tranquillement. Comme bah, il avait le tempo. Il a tempo comme je me suis jeté juste avant. Et comme je le dis, dès que ton allié il se jette, en fait, le principe ça va être de tempo ou de faire un move un peu lent pour lui laisser le temps de rota, etc. de se remettre. Quoi. Parce que si tu fais une mauvaise recover, tu perds tellement de temps en plus. Et on part du principe que son allié fait une bonne recover. Parce que tu pourrais retirer direct, comment dire, si ton allié recover parfaitement et que juste derrière il peut rota ou quoi. Mais si il est ne serait-ce qu'un minimum en l'air et qu'il fait une rota parfaite, il lui faut quand même 2-3 secondes. Donc si tu tires direct et malheureusement le mec a la balle instant, et bah les 2-3 secondes ils sont écoulés malheureusement.
Oh, le double reset qui est directement enclenché par Foxerel qui met le but sur le tête des deux opposants. Le premier, le deuxième qui est enclenché avec sa Fennec Emerald qui brille de mille feux. Oh là là, c'est juste sous la barre, mais qu'est-ce que c'est propre. 3-0, ici en 1 minute, 0-3. C'est une défaite cuisante qui s'annonce. Il y a un mec qui s'envole dans les airs et qui récupère son premier reset. Et c'est le fail monumental de Fuchs. Bon, on va croire à sa défense, mais j'y crois pas trop. Oh, bah il a trollé. Il a abandonné le bump. Mais pourquoi? Ah, ok, le musty qui a été tenté, qui a été raté. Je ne comprends pas. Ok, ils ont quitté, mais pourquoi il y a but là? Oh! Oh, mais cachez-moi ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette game? Merci pour la victoire, mais. Oh, moi je veux du content, moi je veux un truc. Le seul truc que j'ai pu me mettre sous la dent, c'est le double reset de mon collègue. Comme la première game a été plutôt longue, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et dites-moi s'il y a des trucs que vous voulez que j'améliore ou quoi. Si vous aimez bien le fait que je caste un petit peu mes propres games, je trouve ça assez drôle. Et moi j'aime bien plutôt caster, j'ai déjà fait. Franchement, je trouve ça fun. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'encouragerait à continuer justement. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.